Bonjour et bienvenue à l'émission Grande Sœur. Je m'appelle Michel Lepage et comme vous savez, nous sommes maintenant rendus aux derniers trois participants. La semaine passée, Mylène a été sortie de la maison et nous sommes maintenant rendus avec Marie-Louise, Luc Lachance et Ginette Poitras. Maintenant, nous allons rentrer dans la maison et voir ce qu'ils ont fait pour la semaine. Je pense que j'ai rien. Cause que j'ai beaucoup d'habileté. Puis, Je pense que je vais gagner. J'ai tellement hâte, puis je suis très confiante que je vais gagner. Je sais pas. Et je sais que tout le monde va voter pour moi. Et je vais gagner! Je suis très confiant dans tous les trois. Ils sont très déterminés avec ce qu'ils veulent faire. Ils sont un peu trop compétitifs, mais je pense que ça va être très intéressant à voir. Je vais surveiller tout le temps ce qui arrive, et ce soir va être très intéressant. Ils doivent coucher tous dans la même chambre, ça va être très 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 drôle et intéressant. Oh, Ginette, félicitations pour le bébé. Quel bébé? Inquiète-toi pas. J'ai été voir les deux filles sur l'internet, puis une fille qui n'arrête pas de manger. Je pense qu'elle est enceinte, l'autre je suis sûre qu'elle n'est pas enceinte. Mais je sais que je vais gagner. Donc, la Marie, qu'est-ce que tu fais en vrai vie, hein? Pas grand-chose. Est-ce que c'est bien? Est-ce que Marie parle jamais? Ouais, elle dit comme à rien. Oh my god, on devrait créer une alliance! Il reste juste trois. On est juste trois. Je suis pas mal sûr que je vais gagner, hein? C'est pas ça le problème. Mais c'est une bonne idée de créer des alliances avec le monde. Et je suis très bon à faire ça. Donc, Luc, tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais des cheveux. J'adore les cheveux. Mmh. Ouais. Ben moi là, moi j'essaie toute la nourriture. Sauf que ça goûte bon. Ah, donc les compagnies, ils te demandent de manger des affaires puis tu donnes comme ton opinion? Ouais. Wow, je pourrais jamais comme, je pourrais jamais. Allô toi, comment ça va? Oh my god, elle mange tout le temps. Elle est tellement fatigante. Je suis sur un régime, moi. Comme, je peux pas l'avoir autour tout le temps. Oh my god, on devrait créer une alliance. Oui? Ok. Love you. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ok. Bon, comme vous savez, c'est maintenant le temps pour jouer le jeu. C'est vraiment un jeu pour créer de l'amitié. C'est vraiment, vraiment le fun. Je suis sûr et certain que vous allez vous amuser. C'est le jeu du silence. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va vous enfermer dans une chambre pour à peu près 12 heures, puis vous n'avez pas le droit de parler. Et puis, la dernière personne à parler gagne. C'est ça le jeu? Non! Je peux pas rentrer dans une chambre et pas parler. Je parle tout le temps! J'ai une question. Quoi? Est-ce qu'on peut amener la nourriture? Non. Un sac de chocolat. On peut pas l'amener. Non. C'est oh. Non. Le but du jeu, c'est d'essayer de créer des amitiés. Juste, t'as pas besoin de manger, t'as pas besoin de rien. On
vous enferme dans une chambre, puis vous avez ce qu'il y a dans la chambre, c'est tout. Tes amis, on est déjà amis. Amusez-vous, là. Touche-moi pas. OK. On va jouer un jeu. Ben, j'ai pas le droit à la nourriture. Ça va être assez dur. Ben, moi, je parle comme jamais. So, je pense que je vais gagner. Oh, c'est vraiment bon. Ah, à cause de Ginette, tout ce qu'on mange, c'est comme des Dunkaroos. J'ai tellement hâte qu'elle parte. Anyway, va falloir être dans une chambre et pas parler. Penses-tu vraiment que je vais faire ça? Je pense que... J'ai peur. Comment ça va? Alors, bonjour tout le monde. Je sais que vous êtes très excités pour commencer le jeu. Alors, ça commence tout de suite. Bonne chance. Allez-y. Oh, ça c'est cute! Oh, j'étais tellement frustrée, comme... Il y avait le chien le plus cute dans ce livre-là. Fait que c'est cute! Fallait! C'est pas fair, comme... Et je suis stupide, comme ça, dans une chambre et rien dire. Comme, come on! La Marie-fille, elle a triché. Elle a triché. Voilà, voilà. Tu vas te trouver. Puis tu vas pas gagner. Alors, félicitations à Marie qui a gagné le dernier jeu. Alors, c'est maintenant le temps du dodo. Je suis certain que vous allez rester en silence pour ça, puisque c'est... Il n'y a pas personne qui aime être dérangé. Durant son sommeil. Ouais, même moi. Ouais, bonne chance, anyway. Peux-tu s'il vous plaît te lever? Peux-tu te réveiller? Oh, oui. T'es-tu bon? T'es-tu bon? Oui! Ginette? Ah? C'est que c'est que tu manges? Ah, je sais pas, mais c'est vraiment bon! Ah, je pense que j'en ai pas assez pour toi. Oh, s'il te plaît. Alors, ben, j'ai vraiment faim. Mais moi aussi, j'ai faim. Ben, tu veux manger quelque chose d'autre? Mais je veux avoir ça. Ben, non. OK! Si vous voulez parler, comme, je sais pas, toi, va là-bas. Vraiment, comme, arrêtez, je veux dormir. OK. OK. Vraiment là, comme arrêtez ça! Non! C'est drôle comment les croustilles à Ginette a pété. Parce que c'était mon plan qu'elle soit dépressée parce que je l'aime pas. Et je pense que je veux. Voter Luc hors du jeu. Parce que lui, il parle trop. Incrustille. Ah! C'est la décision finale. Il y a une personne entre ces deux qui va être éliminée ce soir. Marie, qui
Qui est-ce que tu choisis pour être éliminé? Ma décision pour qui éliminer va être Luc. Ginette, depuis que je t'ai rencontrée, j'ai gagné 2 poids. Je te déteste. Très bien, messieurs. Alors, Marie-Louise, puisque c'est juste toi qui reste, c'est toi qui gagne. Alors, voici ton prix. Félicitations. Mais j'ai pas d'oiseau. Ben, tu peux le manger si tu veux. Oh, ok. Merci. Bienvenue. Bonne chance avec tout. Alors, vous l'avez vu, le voilà, la finale de Grande Sœur. La gagnante était Marie-Louise. Félicitations, Marie-Louise. Bonne chance avec tout dans ta vie. Nous n'avons pas encore trouvé le corps à Ginette, mais c'est à plus tard. Ici, Michel Lepage. Bonsoir. OK. Aujourd'hui, là, on va te montrer un nouvel produit que ça va probablement marcher. Probablement, ok? So, on va faire une démonstration. Aïe-tu ça quand tu utilises ton straightener puis ça reste stock du tapas? Ouais! Ok, maintenant on va l'utiliser, c'est half off, ok? Ben, le catch, qu'il y a juste comme une moitié dedans. Ben, c'est correct, ok? C'est 29, oh, ok, c'est 29-29, puis ça va probablement marcher, ok? So, c'est à Walmart, tu peux aller à Walmart, Shoppers Drug Mart, Home Depot, tu peux le trouver tout partout, ok? 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 Ça marche? Ok! Achète cette crap tout de suite! Ok, ben là, je vais changer l'apparence du prochaine personne que je vois. Ok, viens-t'en! Mon nom, ok, viens t'asseoir. Mon nom, c'est Lorraine. C'est Lorraine. Oh, okay. OK. Puis on va faire une super magnifique makeover. Ouais, OK, vite. Vite, let's go. OK, vite, ici, vite, viens t'asseoir. Ben, je n'en veux pas vraiment un makeover, là. T'as le besoin. OK. Non! Oh! Non! Oh! Non! Ok, ben là, ça va regarder bon. Ça regarde bon. Ok, maintenant qu'on a tout le maquillage, on va l'habiller. Je suis vraiment pas confortable avec ça. Ok. Assez ça. Ah, c'est vraiment lousse. Ben, oui. Ah, oh. Oh, tu regardes beau, hein? Vraiment beau. Hey! Kevin, t'as si ça. Non! Ok, mon homme, c'est temps de partir.
Ma fille? S'il vient de partir. Ok. Ben là, je me suis levée pour m'aller chercher un breuvage froid. Hein? Puis je me suis tournée, puis il y avait espèce de podcast qui m'y avait un tater tot. Hey là, j'ai flippé mon là. Moi là, j'en reviens pas. Cache tes enfants, cache tes femmes, cache ton mari. On va te trouver. Elle a... On va te trouver. On va te trouver. On n'a pas le temps pour ça. Pas le temps pour ça. Les hommes sont de retour avec leur nouvel album Émotion. Dans ce nouvel album, vous allez entendre les chansons telles que Ça recommence. Ça recommence. Ça recommence. Harmonique. Beaucoup plus. Le long du chemin, on s'est retrouvé. Il y avait un ange, puis un autre ange. Je t'aime. Les hommes émotions en vente sur iTunes maintenant.